Ok, salut la team, chers amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc comme vous savez, j'ai commencé la gym. Et là, actuellement, j'ai envie de faire un test pour savoir ma détente. Donc pas le test où vous mettez de la manille sur les mains et que vous sautez le plus haut possible. Là, ça va être un test, c'est pas vraiment un test du coup, mais c'est avec des steps pour savoir combien de steps je vais pouvoir sauter directement dessus. Donc il peut y avoir quelques problèmes, je peux tomber. Teddy attend que ça. Donc ouais, c'est Teddy à la caméra, donc les images vont être super. Et en gros, donc là comme vous savez, en ce moment, je fais de la gymnastique. Et du coup là je fais aussi la musculation à côté, mais pour la musculation je vais essayer de faire des exercices spécifiques pour la gymnastique. Donc ça veut dire que normalement si tout se passe bien, je vais m'améliorer sur ma détente. Donc on va refaire cette vidéo là dans à peu près 2-3 mois pour voir si j'ai réussi à simplement gagner un ou deux steps. Ok? Donc les steps si vous ne connaissez pas, c'est des trucs de steps là, la petite marche. Bref, c'est parti, t'es prêt Didi? T'es prêt à me voir sans doute tomber? Allez c'est parti. Ok, donc là, on va s'échauffer un peu, c'est bien important. C'est le plus important d'ailleurs. Faites pas comme moi l'erreur, j'ai des mauvaises chaussures. Là j'ai des chaussures de merde, j'ai pas eu le temps, j'étais chez ma copine. Organisation de merde, donc vous connaissez chez moi. Teddy sait aussi que je suis très mal organisé. Toujours à l'heure, toujours. Moi, c'est quelque chose que je peux pas faire autrement, toujours à l'heure. Bref, je vais serrer mes chaussures, parce qu'elles sont un peu grandes, je vais pas vous mentir. Donc je vais les serrer, il y avait plus de ma taille, je les voulais absolument. Ok, donc pour l'échauffement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite routine, donc un petit circuit. Donc en premier, ce que je vais faire, c'est relever de jambes. Voilà, pour le cardio, tout ça. Ensuite, en deuxième, je vais venir prendre une petite balle là. Alors, vous connaissez, je connais pas du tout, je connais pas les mots spécifiques pour le crossfit. Donc on va appeler ça le Teddy Man. Teddy Man. Donc ça veut dire qu'on se descend, hop, et on vient taper là-haut. Pour la réceptionner et descendre en squat, ok. Donc là, on va faire les pompes. Hop, des pompes, bah vous connaissez des pompes. Hein, hop. Ensuite, directement. Sur cette petite box noire là, on va venir jumper. On va commencer un peu de détente. Et bon là vraiment c'est vraiment léger. Ça dépend pour certains. Donc pour certains, ça commence déjà à être haut. Ça dépend pour qui hein. Et du coup bah hop un petit. Ok, pour finir le circuit, on va faire des burpees pour être bien échauffé à la fin. Donc là il n'y a pas vraiment de temps. C'est vraiment, je le fais au fur et à mesure. Imaginons les talons fesses que je vais commencer, je vais faire à peu près les 10 talons fesses de chaque côté. Ici je vais en faire 10, ici 10, ici, enfin à peu près du 10. C'est vraiment selon vous, quand vous sentez à la fin que vous êtes échauffé, il n'y a pas vraiment besoin de 4 tours, 6 tours, c'est vous. Il n'y a que vous qui pouvez savoir combien de tours vous avez besoin. Mais bien sûr la limite, au moins minimum 5 minutes. Pas moins, sinon après vous ne serez pas assez échauffé et vous risquez de vous blesser. Ce que surtout le plus important, on évite. Donc c'est parti pour la petite routine d'échauffement. Ok, pour finir l'échauffement, on va remplacer les burpees par des burpees salto. Donc ça veut dire un burpees, un salto, un burpees, un salto. Je sais pas combien je vais en faire, mais voilà. En tout cas, je voulais vous dire aussi, je sais pas combien je vais faire de steps. Je sais qu'à l'ancienne, j'en avais fait beaucoup quand même, mais je vais pas vous dire combien. Mais je pense que j'ai perdu. Pourquoi? Parce que j'ai pris du poids. Et voilà, j'ai pas besoin de vous rappeler que quand on prend du poids, logiquement, ta détente se rabaisse. À moins qu'à côté, tu travailles comme un malade pour gagner ta détente. Mais bon, bref. C'est parti, burpee salto. Rien qu'au burpee salto, je le vois, que j'ai un peu pris de poids, je me sens beaucoup plus lourd. Mais bon, ça passe quand même, on va voir. C'est parti. Tête qui tourne. Je t'entends pas. Non, je t'entends pas. Qu'est-ce que t'as foutu pour moi? Pourquoi tu... Ah, il y avait la vitre. C'était marrant ou pas? Non? C'était marrant la vitre, vous avez cru que j'étais vraiment sérieux et tout, je croyais qu'il n'y avait pas de vitre. Je remercie GigaFit de Créteil. C'est pas du tout un partenariat, mais je les ai appelés. Normalement, c'était 10 balles chacun et ils m'ont fait gratuit la séance. J'ai galéré à trouver une séance gratuite. Gratuite, hein, pas gratuite, ça se dit pas. Mais j'ai galéré à trouver une séance gratuite. Donc voilà, je vous remercie. Et honnêtement, elle est vraiment propre, la salle, elle est vraiment cool. Ok, un conseil pour le step, mettez-le à l'étage moyen. Cette vidéo part complètement en couille. Elle me casse déjà les couilles. Donc, un conseil pour les steps. Mettez le step au niveau moyen. Pourquoi par en haut? Parce qu'on pourrait le mettre beaucoup plus haut comme ça. Et là, comme vous voyez, c'est en déséquilibre. Donc ça veut dire que là, vous risquez plus de vous casser la gueule. Et un conseil aussi, mettez-le devant un mur. Parce que si vous le mettez en plein milieu de la salle,
ça peut tomber et vous pouvez tomber avec et vous faire très mal. Je sais Teddy, c'est ce que tu veux, mais aujourd'hui on va prendre aucun risque. Donc devant un mur avec les steps niveau moyen et des tapis de chaque côté, enfin on va essayer de voir un peu pour au cas où si je tombe ne pas me faire trop mal. T'es prêt? Je le sens, je la sens pas du tout cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc ah oui, pas très proche du mur, hein, parce que sinon quand vous allez sauter, vous allez faire. Vous voyez? Donc assez proche mais pas trop non plus, comme ça si jamais vous sautez, vous pouvez vous rattraper avec vos mains. Mais si vous mettez trop proche du mur, quand vous allez atterrir, vous allez vous prendre la tête dessus. Donc pas trop proche, pas trop loin, entre les deux. Vous laissez entre les deux. Allez, je sais pas, une paire de chaussures, allez voilà, pour vous amuser, une paire de chaussures à vous. Bref. Donc vraiment les pieds entièrement sur le step, pas le talon en arrière ni en avant. Comme ça au moins, sécurité parfaite. Et bien sûr, atterrissez pas les deux pieds au milieu, hein. Sinon les steps vont casser et du coup vous allez être en déséquilibre. Donc vraiment atterrissez là où vous savez que le step est le plus renforcé possible. C'est parti, on va passer directement à plusieurs, hein, parce que là c'est ridicule. Allez go. Je sais pas si vous avez déjà vu des gamelles, des mecs qui font comme je vais faire là, pour gagner en détente, sauter sur des steps. Vous avez jamais vu une gamelle? Attendez, je vais vous montrer une gamelle. C'est bon? C'est clair? J'ai peur. Donc je vais éviter de faire ça. Donc aujourd'hui, sécurité, comme je vous l'ai dit, au maximum. Là, on va commencer en détente sèche. Détente sèche, ça veut dire que je suis devant et je cours pas avant. Vraiment, je pars d'ici et je saute directement sur le step. Après, quand ça va être vraiment trop que j'y arriverai pas, juste pour me faire un petit kiff comme ça, même si ça sera pas vraiment compté, je vais prendre de l'élan. C'est-à-dire, je prendrai un peu d'élan et sauter au-dessus. Voilà. Ok? Teddy, tu dois connaître, tu fais beaucoup de parcours. Donc voilà. Et puis, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà fait et combien de steps vous sautez, vous. En tout cas, moi aujourd'hui, c'est mon maximum. J'avais déjà fait comme je vous l'ai dit, mais c'était quand même pas mal. Mais je pense que je vais faire mieux. C'est parti. Finalement, je viens de m'apercevoir d'une connerie, donc c'est parfait. Comme ça, pour vous aussi, vous le serez. Mettez-le à l'étage au plus bas. Pourquoi? Parce que je viens de remarquer qu'à l'étage moyen, c'est trop déséquilibré. Donc c'est trop dangereux. Là, on était déjà à 4 steps. Et ça déséquilibre déjà de ouf, donc on va pas prendre plus de risques. Donc step au plus bas, comme ça vous le savez tous. Et si vous voulez faire aussi le challenge, et ben vous mettez pareil des steps Reebok à l'étage le plus en bas. Comme ça vous allez voir si vous allez réussir à me battre ou pas du tout. Allez c'est parti, je rectifie ça et on reprend les 4. Vas-y filme moi, cadre moi, vas-y gros, vas-y cadre moi. Ok c'est bon, c'est bon. Oh les gars, je suis sûr que ça va rendre tellement mal. Bon allez, faut arrêter les conneries, on se dépêche. On va passer à 5 steps, 6 steps, et on reprend la caméra à 6 steps quand même, on reprend à 6 steps. Allez, c'est parti. Attention, petite astuce en plus, mettez un step derrière les autres, donc on va en mettre un là, un deuxième, peut-être un troisième, je sais pas. Et là, j'ai vu que ça bougeait beaucoup, et vu que vous allez sauter, et logiquement, vous allez approcher du mur, comme ça, vous allez avoir une cale, et ça va pas déséquilibrer, et vous allez pas vous taper la tête. Donc voilà, comme je l'ai dit, maximum de précautions, comme ça, Teddy aura le seum, il ne me verra pas tomber. Teddy, il a su le relève, là, il attend que ça. Donc vas-y Teddy, tu penses que je vais en sauter combien là? Là je suis à 1, 2, 3, 4, 5, combien tu penses que je vais en sauter? Dis-moi. 8. 8? Je pensais que t'avais plus confiance en moi. Je crois qu'on va arrêter la vidéo maintenant. Ok, là c'est parfait, là on est sûr que... Ouais, je peux pas me déséquilibrer. Bon bien sûr si je tombe en arrière, bah Teddy, ce que tu fais c'est que tu cours comme dans Titanic et tu te mets derrière moi comme ça, ok? Et tu lâches la caméra. Non je rigole, je préfère tomber que lâcher cette caméra. Parce que sinon ça va me faire plus mal au cul qu'autre chose. Bon bah vas-y, 1, 2, 3, 4. Eh je parle trop et je fais rien, on est d'accord? On est d'accord ou pas? Je parle trop et je fais rien. Ouais. Vas-y. Je commence à être tendu déjà. Sachant que ce que j'avais fait il y a longtemps, j'avoue que j'avais pris un peu d'élan. J'avais pris genre peut-être 1 mètre. Mais là ça va être vraiment détente sèche, je pars d'ici, je squat et je monte. Et après on va voir pour prendre un peu plus d'élan. On verra au fur et à mesure. Donc là on est à 6, 1, 2, 3, 4, t'as vu j'ai mal à retenir, bon, je dois raconter 4 fois, on va passer à 7. Donc Teddy avait dit 8, donc là on est plus qu'à 2 étages, j'ai dû réfléchir aussi, avant de passer au 8ème. Si je passe au 8ème, Teddy m'a dit qu'il se met à poil dans la vidéo. Bon là du coup on passe au 7ème step, voilà pour vous montrer un peu l'idée, regardez, 6 steps c'est presque la taille d'un step debout. Ok, donc là 7 steps, ça dépasse un step debout. Donc quand même ça commence à être une grande hauteur. En sachant que moi je fais déjà 1m90, donc vous voyez à peu près 1m90 sur moi. Et pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je comprends pas. Ah merde, non, je me suis trompé. 1m65, c'est pareil, ça joue à ça, c'est bon. En bref, en sachant que je fais 1m65 et que bah du coup voilà, 1m65, et ici vous voyez 7 steps.
Donc on va essayer de faire 8 steps, ça va être limite, ça va m'arriver ici. Donc aujourd'hui on va essayer de quand même sauter ma taille limite. On va essayer avec de l'élan bien sûr. Je sens comme j'ai faim de la merde aujourd'hui. J'ai droit de m'aider du mur, enfin j'ai pas le droit de juste déséquilibrer. Parce que là j'étais déséquilibré à fond et juste toucher un peu le mur, on a droit, bien sûr. Pas de sauter avec le mur Spider-Man, de toute façon je pourrais pas je pense. Salto avant, vous êtes prêts? On passe au 8ème. Bon Iskri, il va passer le 8ème, t'es dit ou pas tu penses? Vu comment tu m'as vu là. C'est chaud? Nice. Ça peut se faire en plusieurs prises. Vas-y c'est parti, 8ème. Là honnêtement si on me dit par exemple si tu sautes pas le 8ème, je sais pas, on prend ta caméra, on la jette par la fenêtre, oui là je le ferai. Mais vu qu'il n'y a pas ça, bah voilà. Allez. Oh putain, je sens qu'il te fait bien, qu'il te fait mal. Bon voilà, regardez, je vais faire 65. Du coup, bah voilà, ça arrive presque à mon épaule. Il manque un step et ça arrive à mon épaule. Oh, regarde, en fait là, je suis où là, regardez. Attends, juste pour qu'on comprenne mieux. Bonjour, je voudrais un Happy Meal, s'il vous plaît. J'ai fait que ça comme idée. Ah ouais, bon, c'était pas mal. Ah ouais. Je vais essayer, vous inquiétez pas, là c'était une fausse simule, c'était juste pour approcher petit à petit. J'ai ce pied là, il merde, il n'ose pas. Mais je vais réussir, j'ai dit détente sèche, je vais faire détente sèche. Ce qui est horrible, c'est que ce que je viens de faire, il a même pas rigolé. À ça gros. Ah parce que regardez, il y a des prises au plafond. Montre-leur les prises au plafond gros. Donc on est d'accord, les prises ça va ça. En gros, seuls les adhérents qui peuvent avoir une grosse étente peuvent brancher leur téléphone. Ont le luxe de brancher leur téléphone. Franchement, Gigafit c'est fort, vous êtes très fort. Donc là on est d'accord, on est vraiment haut quand même. On passe à l'étape au-dessus. Oh, j'ai peur. De quoi? Vas-y, l'étape au-dessus mais avec de l'élan. Ah oui, du coup, bah oui, avec de l'élan. Ah oui, bien sûr. Ah oui, non, t'es fou. Est-ce que vous avez vu quand même la différence entre mes essais au début, mes tout premiers essais, et mon dernier essai où je l'ai réussi? Limite, on dirait que je faisais exprès au début. Vraiment, c'est votre. En fait, psychologiquement, vous vous dites, je peux pas le faire, et du coup, vous faites de la merde. À la fin, vous dites, bah, ça me saoule, faut que je le fasse. Moi, c'est toujours comme ça au skatepark et partout. Je mets 36 000 essais, mais après, je sais que je vais le réussir parce que dans ma tête, je peux pas partir sans l'avoir fait. Donc, vraiment, donnez-vous à fond et lâchez pas. Même si premier, deuxième, cinquième, 6 essais, vous y arrivez pas, continuez. À part vraiment si vous tombez, vous mettez vos pieds, vous arrivez même pas à les monter au moins ici. Vraiment, mais bon. Logiquement, si vous avez fait celui d'avant en un seul ou 5 essais, vous pourrez faire celui d'après. Donc là, on commence à être vraiment sur, au niveau de mes épaules. Ok? Donc, vu que je fais 1m65, on va dire qu'il y a combien de là à ma tête? J'ai du mal avec les proportions, gros. D'avoir quoi 30-40 cm. Ouais, 30-40 cm. Bref, donc là, on est sur du à peu près 1m30, en sachant qu'il y a donc un step debout et allongé, et un step allongé. Ça commence à être... Là, en fait, là, c'est même pas... En gros, si derrière, il y aurait un tapis ou ça, ce serait de la mousse, je me jetterai direct. Mais là, c'est des steps, par terre c'est du parquet, en face il y a un mur, c'est la tour de Pise, donc honnêtement ça me fait peur, mais bon, je vais tout faire pour le réussir, parce que j'ai pas envie d'arrêter sur un échec. Stop. C'était ridicule. C'est chaud là, non? Tu l'as pas là. Je l'ai pas, les pieds sont là en gros. Mon pied là, c'est bien là. C'est chaud. Vous abonnez à ma chaîne YouTube et tous mettre un pouce bleu et un commentaire positif. Si je le passe, donc dès maintenant, dites dans les commentaires si vous pensez que je vais le réussir ou pas. Allez, c'est parti gros. Ha ha ha!
Ah, je me suis enculé, gros. Ah, tu l'as eu ou pas? Ah, oh, putain, je me suis enculé, malade. Ah. Oh, putain de merde. Ah, il est tout ça. Ah, t'es ouf. Ah, putain, j'ai eu trop peur, quand j'étais en bas, gros. T'as pensé que c'était un crack? Je me suis cru que je m'étais pété un truc, gros. Ah. Et toi? Honnêtement, si vous dites que je prenne. Gros, non, c'est pas possible, je pourrais pas bouger. Arrête, gros, je suis une. Vous avez vu comment je suis une tapette un peu? J'ai toujours peur pour rien. T'inquiète, même s'il y a pas de mise au point, on s'en fout là. Ah, je suis enculé le dos, gros. T'as sûr, j'ai gym, j'espère que je pourrais aller à la gym, gros. Waouh, je suis enculé. J'ai pas entendu un crack ou je sais pas, t'as pas entendu un crack? Gros, j'ai trop peur. Comment je suis devenu? Je vous jure que. À chaque fois, on dit que l'âge, ça. Quand on prend de l'âge, on a plus peur et tout ça, quand on est jeune, on a moins peur. C'est la réalité. Là, comment j'ai eu mal. Avant, au skatepark, je tombais tous les jours comme ça et je me disais, c'est bon, c'est rien. Là, j'ai vraiment cru, je m'étais. Allez, je vous montre pas, je suis vraiment fait mal. Je me suis vraiment cru, je m'étais pété le coccyx ou je sais pas quoi. En tout cas, vous avez vu que grâce à moi, un conseil, ne faites pas de saut sur les steps. Au moins, vous le savez grâce à moi, vous le savez. J'avais vu des vidéos, j'avais vu des gens qui tombaient. Vous savez quoi au début de la vidéo là, quand je disais, regardez les gens qui tombent. Je me foutais de leur gueule. Le karma est arrivé, donc le karma existe vraiment. Donc bref, faites le pas sur les steps ou faites-le, mais dépassez pas les 8 steps. Quand j'ai voulu faire les 9 steps. Bon, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, je me suis vraiment mis à manger comme vous l'avez vu. Là, on a eu un coup de chaud tous les deux là, parce qu'on croyait que ça avait pas filmé, ça avait arrêté de filmer. Parce que ma caméra à 30 minutes s'est arrêtée. J'ai eu trop peur. Honnêtement, je me suis dit, je me suis tombé, ils vont pas me croire en plus. En tout cas, n'oubliez pas, je fais que 2 vidéos par semaine en ce moment. Là, j'ai plus beaucoup de temps. Si j'ai plus de temps, promis, j'en ferai 3. Parce que voilà, comme vous savez, je fais de la réalisation de vidéos sur Rantmovie. Donc, j'ai des clients, je dois me faire de l'argent, ce qui est normal. Comme avec YouTube, je gagne absolument rien. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez moi me donner quelque chose, je ne demande pas d'argent, loin de là. Mais juste abonnez-vous à ma chaîne et partagez. Ça serait super gentil. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre-là. Donc, sur ma détente, ou bien je sais pas, sur longueur. Je n'ai pas trouvé d'autres arguments pour dire longueur. Donc sur la longueur, bref, dites-moi dans les commentaires encore une fois si vous avez aimé et dites-moi ce que vous voulez voir. Sur ce, n'oubliez pas, prenez soin de vous.